What's up guys, c'est SamGameGang4 et aujourd'hui on est en vidéo pour ce 4 de notre saison, c'est notre série carrière sur F1 2021. Puis on est rendu, je skip tout le temps les qualifications, là on va faire à peu près 3 courses. On est au Royaume-Uni. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à Silverstone ce week-end, alors que les pilotes finissent de se préparer pour la course d'aujourd'hui. Les voitures s'installent sur la grille et nous sommes prêts à assister à un grand spectacle. Les 5,8 km d'asphalte et les 18 virages de Silverstone connaissent bien la pluie. Même dans ces conditions, sans les DRS qui sont normalement disponibles, les lignes droites de Wellington et Hangar restent des endroits où il fait bon doublé. Je suis rejoint par un expert du pilotage sous la pluie, j'ai nommé Davide Valsecchi. Davide, d'après vous, comment la pluie va-t-elle affecter les performances de nos pilotes? Je suis ravi d'être là, Alex, même par ce temps. Ah, rien ne sera facile pour eux aujourd'hui. Avec les risques d'avoir de l'eau stagnante, la visibilité deviendra l'obsession de chaque pilote à l'approche du départ de la course. Il faut juste qu'ils se souviennent qu'il faut éviter de rouler sur les lignes peintes et sur les vibreurs, qui seront particulièrement glissants dans ces conditions. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Mick Schumacher... Bon, c'est parti pour nous. Les lumières s'éteignent aujourd'hui à Silverstone pour le début de cette course de F2. Oui, la voiture. Qui? Oh, God. C'est du sel. La fin après. Il est passé 10e. Oh, il a trop de fond. Le virage. Il a fait le serpent en tête. Bien fait, il va du troisième. Oh non, 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 non. C'est chiant. Mais c'est parce qu'il freine trop. Oups. Désolé, bon. Oh. Mais... T'as pas appris autant. C'est à comprendre. Oui, là, j'ai eu un autre chemin. J'ai pas eu une place. Déjà, bon. Moi, je vais faire encore deux vidéos. Une sur F1, puis là, ça va être sur Horizon Zero Dawn. Thank you.
Ouais, ça fait pas mal. Ça va être assez vite. Oh, là, ça t'inquiète pas. Bah, c'est ici, C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Troisième tour déjà. J'ai fait une course un peu difficile comme Monaco. Puis ça se joue au dernier tour. À l'avant-dernier tour. Avec notre coéquipier est de 30,0 secondes.
travail et tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Bon, let's go, on est parti pour le dernier tour. Ah, est-ce qu'on est parti? C'est un bon secteur, ça sent rien de faire. Et voilà, victoire de la victoire d'affilée, c'est vraiment un résultat incroyable, bravo! Très belle victoire et superbe prestation de la part de Campos. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Davide Valsecchi. Rien de tel que la pluie pour semer le chaos sur une course. Et il a su en tirer parti aujourd'hui pour s'emparer de la victoire. Dans ces conditions, c'est toujours un peu la loterie, mais au final, il a réussi à tenir le cap et à rester sur la piste. C'est déjà plus que ce que réussissent les autres avec une météo semblable. Voilà ce qui lui a permis de gagner aujourd'hui. Il est l'heure de procéder à la remise des trophées sur le podium de cette course. Et cette victoire fait bien des heureux, car c'est Campos qui l'emporte aujourd'hui. Bon ben... Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Bertrand renforce sa place de leader au championnat. Passons au pilote du jour. Davide Valsecchi, pour qui votez-vous? À mon avis, c'est le pilote de Campos. Il n'a pas cessé d'y... Bon, notre course, d'après moi. Let's go, course principale. Nous sommes en Hongrie, à seulement 18 km de Budapest, où la course de Formule 2 du jour va avoir lieu. Accrochez-vous bien à vos fauteuils, car elle devrait nous réserver de belles surprises. Le circuit d'Hungaroring est situé à 20 km au nord-est de la capitale Budapest. Ses 14 virages s'étalent sur 4,5 km. Il a la réputation d'être un circuit où il est difficile de doubler, ce qui ne l'empêche pas d'avoir été le théâtre de quelques courses d'anthologie. Espérons que nos pilotes de Formule 2 nous régaleront autant aujourd'hui. Bon. Après la superbe série... On est parti. Et ça fait qu'il y a un peu beaucoup de dépassements. C'est comme ça. Et on est parti. Aujourd'hui, un nuit.
cette course. Ok, on recommence. Oh my, j'ai pas encore fait ça. C'est dans la piste. Ouais, non, 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 c'est trop. Ah, oh, j'ai déjà fait du coup. Là, attends, il prend un... il prend un sérieux. Pourquoi il passe un autre? Il a un deux de pont. On réfléchit à une... Ah, là, fait le tour de... Moi, je vais moins facile, mais parce que... Je peux pas rentrer. Avec 5 tours, je peux pas... rentrer. Calice! Sinon, c'est quand que t'as de venir qui t'accélère? Mais il a réussi à être trop fort! Mais! Putain! C'est un nid là, bon. Trop de fond. Ça va mal se finir. Et oui! Lâche-moi! Ça va! Tu es obligé de me rentrer pour un moment. Non. Et il va mettre au lit du pays. Tu ne dois pas rentrer dans ce semaine. Il est ici à la première place. La 39e place. Tu viens de gagner une place. Ok. Bon. Peut-être que tu veux me dire. Je crois que ça sera ma épine. Et c'est une chose que qui arrive à être ma c'est sûr que je suis encore. Je suis bientôt. Qui se fait des passages en tout? Et on a bien fait qu'il ne passe pas. Bon. Oh.
Joe, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Toujours premier dans cette course. On a mis... Peut-être enfin une autre aussi. Une autre course. On va faire trois courses. Moi, ça va être bien. Ah non, j'ai fait une longue vidéo. J'ai terminé la F2. À ça. Merci Jeff. Voici l'écart avec notre coéquipier. 17,0 secondes. Et voilà, dernier tour à faire sur ce circuit maudit avec Bertrand, un peu sorti de Kyoto, puis de Maskumar. Et Bertrand qui fait 13 secondes, 6 sur Kyoto. Quelle avance confortable pour Bertrand. Possible, ouais. De cette course et ça sera une victoire pour Sam Bertrand pour une fois. Superbe perf, tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui. Remarquable perf.
Et voici qui s'approche du podium. L'écurie Campos est pratiquement partie de zéro, et cette course témoigne du chemin parcouru pour décrocher la première place. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Bertrand renforce sa place de leader au championnat. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? À mon avis, c'est le pilote de Campos. Ce qui est sûr, c'est qu'il revient de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée en Formule 2. C'est une performance admirable. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Hart a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Bon, ben, let's go pour la prochaine course. Oh là, ça t'a dit la course, ça se peut. Bon. Nous sommes samedi, ce qui signifie que nous nous préparons pour l'épreuve de Formule 2 ici, à Spa. Rejoignons les voitures qui subissent les derniers préparatifs pour le départ d'une course qui promet d'être impressionnante. Et nous revoici à Spa avec ses 7 km de circuit, ses longues lignes droites, ses virages extrêmement rapides et ses énormes dénivelés. C'est un circuit qui offre généralement du pilotage de haute volée et c'est ce que nous espérons voir aujourd'hui de la part de nos jeunes pilotes de Formule 2. Davide Valsecchi. Avant le... let's go. On est à Spa Franco. Il va le dire de cette course. Et voilà. Il va le dire de la course. Ligne à Saint-Étienne. À Spa. Ça va? C'était pas beau à voir. Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. Mais putain, ok. Non, c'est tout. On dirait Bertrand qui a monté l'escalier de sa place au premier virage. Non. Oh, j'ai trop de fois. Et c'est Valka qui va passer trop de fois. Ça va être trop dangereux. Mais putain! Thank you.
Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais Calis, c'était une job. Tu ne pas au système. Laisse ma épée dans la place. Bon, d'ailleurs, bah, au début de la course, elle était là aussi. C'est une deuxième à l'Ixen. C'est mon passage pour toi. C'est sa force à Putin. Dans la façon de ranger. C'est ce qui est fun. Oh, Free Fire. Travail, et tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Oh, ça c'est dommage, voilà.
Ok, compris. Non. Ouais, let's go. J'ai plus deux tours ici à Spa. Ici, Bertrand, enfin, il y a 23 sur 1. Enfin, ici, ça va sur ma cycline. Mais ici, si on va faire le bientôt, puis on va le susciter. C'est safe. Déjà 25%, mais... 4 tours. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Bon, dernier tour à faire ici, Aspa. Bertrand en premier avec 34 secondes sur ma cycline. Ça c'est sûr, avec le bateau Mathieu, ça tout seul. Le podium a l'air d'être très bien. Allez, décidé. Peut-être en faire une autre pour que celle-là, peut-être pas, ça va dépendre de c'est quel circuit. Le circuit que j'aime. Je vais en faire un sinon d'autre.
coup là. C'est ça, j'ai un clash. C'est un gift à l'air. Et voilà. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Le Sam Bertrand, ici, Asper. Très belle victoire et superbe prestation de la part de Campos. Selon vous, Davide, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Eh bien, je suis un peu déstabilisé par ce à quoi nous venons d'assister, mais une chose est sûre, notre gagnant du jour a prouvé qu'il n'avait pas peur de se battre sur le circuit. Et on ne peut pas lui en vouloir. Je ne crois pas avoir déjà vu quelqu'un remonter aussi vite ses concurrents. La course d'aujourd'hui était grandiose, et en jugé par les réactions du public, les fans aussi ont apprécié. Il est l'heure de procéder à la remise des trophées sur le podium de cette course. Et cette victoire fait bien des heureux, car c'est Campos qui l'emporte aujourd'hui. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Bertrand renforce sa place de leader au championnat. J'ai une question pour vous, Davide Valsecchi. Qui est le pilote du jour ? À mon avis, c'est le pilote de Campos. Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Voyons ce qui se passe au classement. Zenvol. Non, je connais pas. Bon, moi je vous décide. Ça va peut-être la fin de cette vidéo là. Je vais peut-être aller faire une vidéo sur Horizon Zero Dawn, mais elle sortira seulement demain. Parce que je vais pas sortir à soir. Parce que je suis trop fatigué pour ça. Pour faire du montage après. Je vais être trop fatigué pour faire du montage. Ça fait que moi je vous dis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis. À la prochaine. Ciao, ciao.